Salut les apprentis sorciers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le véhicule autonome. La semaine dernière, nous vous avons révélé tous les secrets technologiques qui permettent à cette voiture de rouler toute seule. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Et aujourd'hui, nous allons voir que l'arrivée sur nos routes de cette voiture intelligente pose aussi bien des questions à la fois juridiques et éthiques. Par exemple, qui est responsable en cas d'accident ? Est-ce le propriétaire du véhicule ou le constructeur ? C'est parti ! Toutes ces questions, nous les avons posées à Yves Page. Il est chef de projet expérimentation chez Renault et il travaille en étroite collaboration avec les ingénieurs du CEA. Alors, bonne vidéo, surtout gardez le contrôle, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, la réglementation technique pour les véhicules autonomes n'existe pas. Elle est en cours d'évolution, mais elle n'existe pas. Et là, tous les constructeurs automobiles mondiaux, tous les pouvoirs publics des pays industrialisés s'accordent pour faire évoluer la réglementation d'aujourd'hui et permettre la circulation de véhicules dotés de systèmes autonomes. Comme il existe beaucoup de systèmes autonomes différents, la réglementation technique ne va pas autoriser ou réglementer tous les systèmes en même temps. Donc on y va de façon graduelle, en permettant au départ des systèmes avec un niveau d'autonomie assez faible, et à partir de 2020-2021, des systèmes d'autonomie dits full autonomie, éventuellement driverless, c'est-à-dire sans conducteur. Mais ça sera bien après 2022 ou 2023. Le propriétaire du véhicule va avoir un véhicule qui va générer un ensemble de données. Et donc là, on va tomber sous le coup d'une réglementation de la protection des données personnelles. Il se trouve que cette réglementation va changer en mai 2018 partout en Europe. Et bien évidemment, on va se conformer à la réglementation en vue de protéger les personnes et leur vie privée. Avec un véhicule autonome, si on sait identifier qui conduisait au moment de l'accident, si c'était plutôt le conducteur qui était en charge de la voiture ou si c'était la voiture qui était en charge de la conduite, ben l'assureur va dire, voilà, en fonction des éléments que j'ai, le conducteur c'était la voiture, donc la responsabilité sera plutôt affectée à la voiture. Si c'était le conducteur qui était en transition par exemple ou en charge aussi de la conduite, à ce moment-là, on va identifier avec les éléments disponibles la responsabilité soit du conducteur soit de la voiture. Ça va nécessairement amener le monde automobile, le monde de l'assurance en fait, le monde de la justice, à dire comment on fait pour identifier qui était en charge de la conduite. La première règle qui dit, c'est le véhicule autonome doit avoir pour premier objectif la sécurité. Donc on doit, au moment de la conception des systèmes autonomes, penser sécurité de façon systématique et de façon prioritaire. La deuxième règle qui est très, vraiment très, très importante, c'est de concevoir les systèmes autonomes de manière à ne jamais ou très, 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 très rarement se retrouver dans des situations où le véhicule doit avoir ce choix éthique. Donc dès la conception, on intègre le fait que cette situation ne devrait pas intervenir. Donc on n'aura pas à faire ce choix-là. Si on a ce choix-là, l'idée, c'est de protéger en fait le plus possible. Le véhicule autonome est un catalyseur de changement extraordinaire en fait. Il ne va pas remplacer le conducteur, il va simplement remplacer la dernière régulation par le conducteur. Et il va créer un système de transport complètement nouveau dans lequel on espère qu'il y aura beaucoup moins de défaillances par la machine que par le conducteur. Et là, on peut s'attendre en fait à des gains de sécurité routière énormes. Voilà les sorciers, maintenant vous avez en main toutes les cartes pour lancer le débat. Alors n'hésitez pas à donner votre avis en nous laissant un commentaire. Et puis, si vous voulez voir les autres vidéos de notre série sur la voiture autonome, ça se passe là. Pour ceux qui ont aimé, eh bien, laissez-nous un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon, bah maintenant je vous laisse pour rejoindre Marcel, parce qu'après ce qu'on a vu, je crois qu'il est un peu inquiet pour le camion. Ciao.